Elle le sait pourtant qu'on doit chercher des données sur le cinquième territoire. Ouais, et c'est pas son genre d'être en retard. Bah, qui sait, peut-être qu'elle est avec William. Eh oh, j'ai dit peut-être. À propos, Jérémy, tu as pu avancer sur le virus ces derniers jours? Pas trop. Désolée, je tourne un peu en rond, il me manque encore les codes les plus importants. Avec un peu de chance, on va les trouver aujourd'hui. Ouais, et ensuite on pourra dire ciao Xana et débrancher pour de bon le super calculateur. Allez, tant pis. On oublie Yumi, je vous transfère. C'est parti. Transfert Odd. Transfert Aelita. Transfert Ulrich. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. C'est bon, dirigez-vous à l'extrémité du territoire. Ah ben enfin, te voilà. Salut Jérémy, je suis vraiment désolée. Dépêche-toi, je vais leur dire de t'attendre. Virtualisation. Un peu plus si on pouvait faire la fête sans toi. Alors, t'étais où? J'avais quelques trucs à régler. T'étais avec William, c'est ça? Dis donc, t'en as pas marre d'être jaloux comme ça. Alors t'avoues que t'étais avec lui? Crois ce que tu veux, Ulrich. Si t'as envie de passer pour un abruti, libre à toi. Ouais, c'est ça, c'est moi l'abruti. Attention, vous avez de la compagnie. Dites, vous réglerez vos comptes plus tard. Moi, je vais leur faire un petit cours d'acupuncture façon Odd. Aelita, mets-toi à couvert. Waouh! Flèche laser! Et un de moins, rien de tel pour bien commencer la journée. Flèche laser! Attention, d'autres cancres là à 5 heures. Flèche laser! Eh ben, Xana n'a pas lésiné sur le comité d'accueil. Je parle. Il a horreur qu'on aille fouiner dans le cinquième territoire. En voilà deux de plus. Flèche laser! Oh, attention à la méduse! Yumi! Super sprint! Yumi, ça va? T'as rien? Ben, je sais pas trop. Je me sens toute drôle. En tout cas, ça fait fuir les cancres là. C'est pas normal qu'elle t'ait attaqué. On abandonne la mission. Matérialisation Yumi, matérialisation Odd, matérialisation Aelita. Tu t'es mélangé les pinceaux, Einstein. Yumi n'est pas là. Hé, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? Un problème?
Non, c'est moi qui ai dû faire une erreur de manip. Je relance le programme. Matérialisation Ulrich. Matérialisation Yumi. Encore raté ? C'est impossible. Yumi, je sais pas ce qui se passe. Impossible de te matérialiser. Quoi ? Cache-toi dans une tour pendant que je règle ça. T'en as une au sud-sud-est. Ne t'en fais pas, je vais trouver le bug. Et dans une tour, tu ne risques rien. C'est pas Xana qui m'inquiète, c'est le prof bizarre. Mais oui, elle a raison. C'est la photo de classe aujourd'hui. Quoi ? Quelle photo de classe ? Bah, la photo, Atterri. C'est ce matin, en plus. Et toute absence injustifiée sera sanctionnée par une journée de renvoi. Merci, monsieur Delmas. Imagine un peu la tête de mes parents si je suis renvoyée, même pour une journée. Je vais faire de mon mieux, Yumi, c'est promis. Hé, attends, j'ai une idée, Yumi. Tout le monde connaît mes dons d'acteur. Une perruque, une robe, un petit peu de maquillage, prends ta place, c'est bingo. Ni vu ni connu, le tour est joué. Tu veux dire vu, reconnu et Odd et Yumi renvoyés? Oublie. Hé, attendez un peu. C'est pas si bête comme idée. Ah, vous voyez, Ulrich a fini par admettre que j'étais un grand comédien. Toi, t'es nul. Mais par contre, je connais une super bonne actrice. Salut, Sissi. T'as une minute, il faut que je te parle. Eh ben, d'accord, oui, je t'écoute. Bah, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de très important à te demander. Quoi? À moi? Si t'acceptes en échange, moi, je te promets de faire tout ce que tu voudras. Vraiment tout? Enfin, disons, presque tout, quoi. À mon avis, quand la méduse t'a attaqué, elle a dû te transmettre une sorte de bug. Tu crois qu'elle aurait volé une partie de ma mémoire? C'est pas logique. C'est vrai, quoi, c'est ma mémoire qui intéresse, Xana. Je commence à me demander si elle ne t'aurait pas volé autre chose. S'il te plaît, ne bouge pas, je vais lancer une analyse numérique. Oh non! Non, j'y crois pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La méduse a volé les codes séquences de ton ADN humain. C'est quoi ça? Eh ben, quand tu es virtualisé, tu conserves tes codes séquences ADN. Sans ça, ça ne marcherait pas. Ça définit ta structure moléculaire et... C'est bon, ça va. En français, ça dit quoi? En français, ça veut dire pas d'ADN, pas de retour sur Terre possible. Bon, alors, je t'écoute, Ulrich. Voilà, Yumi ne peut pas venir en cours ce matin. Alors, j'aurais aimé que tu prennes sa place pour la photo de classe. C'est d'accord. Hein? Tu veux bien? Et qu'est-ce que tu veux en échange? Oh, enfin, Ulrich, tu me prends pour qui? Je ne demande rien du tout. Disons que c'est une faveur personnelle que je te fais, voilà tout. Non, c'est pas vrai. Et mes parents? Et l'école? Et mon petit frère? Et... Il faut que tu trouves une solution, Jérémy, et vite! J'ai toute ma vie sur Terre, moi. Je le sais bien, Yumi. Crois-moi, je fais tout mon possible. Et si... peut-être... T'as une idée? Je crois que oui. Il faut que j'aille sur Lyoko. Tu comptes faire quoi? Fais-moi confiance, pour une fois. Bon, d'accord, je vais t'envoyer au plus près de la tour. Une demi-heure pour enfiler une robe et se mettre une perruque, c'est pas croyable. Ah, oh, et voilà le travail, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal du tout. Ça ressemble bien à Yumi. Ouais, mais elle s'habille pas comme ça. Elle est toujours en noir et ses robes sont plus longues. Et moins... Moins sexy, c'est ça? Eh ben, tu n'as qu'à me trouver une de ses robes. D'accord, bonne idée, on va essayer. Elle est drôlement serviable, Sissi. Bizarre, tu trouves pas? Ouais, je trouve aussi. C'est carrément étrange. C'était ouvert. Bon, allez, j'entre. Surveille et préviens-moi si quelqu'un se pointe. Bien reçu. À vos ordres, mon général.
bon, Elita, la tour est toute proche. Direction nord-ouest. Je vais prendre un autre chiroane. Au fait, excellente panne de haricots blancs. Franchement, Takeo, je me sens un peu déprimée ces jours-ci. Tu ne fais pas attention à moi, on dirait que tu ne m'écoutes même plus. Délicieux. Non, excuse-moi, tu disais quelque chose. Méfie-toi des cancres là. Bon, maintenant tu peux me dire ce que c'est que cette idée. Non. Et voilà, comme toujours. Ma mère m'avait pourtant prévenu, n'épouse jamais un homme de la ville. Ah, mais chérie, quel processus? Eh bien, je vais effectuer un transfert de mon code séquence ADN dans ta structure virtuelle. Hein? Quoi? Mais enfin, t'es dingue! J'ai remis la place de Yumi, c'est chez vous, sur Terre. Si quelqu'un doit rester sur Lyoko le temps que tu trouves une solution, c'est moi. Je ne suis pas d'accord! Arrête immédiatement! J'étais sûre qu'il allait dire ça. Tu te rends compte que c'est un énorme sacrifice que tu fais là? Appelle ça comme tu veux. Aelita! Aelita, tu m'entends? Aelita, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je ne sais même pas comment se fait ce genre de transfert. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et voilà. Je vais aller réveiller Hiroki. Yumi? Chérie, tu as vu Yumi? Non, elle a déjà dû partir à l'école. Elle a oublié son portable ici. Odd! Hein? Ah, c'est comme ça que tu montes la garde! Bah quoi, j'ai vu personne, moi. T'as la robe? Jérémy, ouais, désolé de t'avoir envoyé sur la messagerie, mais c'était ça ou me faire prendre par la mère de Yumi. Bon, écoute-moi. Aelita est sur Lyoko en train de transférer ses codes séquences ADN à Yumi. Ouais, bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne idée? Non. Elle ignore qu'au moment du transfert, sa mémoire sera accessible. Tu veux dire que Xana pourrait s'en emparer sans le moindre problème? C'est ça. C'est pour ça que la méduse a attaqué Yumi. Tout ça faisait partie du plan de Xana. Et qu'est-ce que t'attends? Préviens Aelita, dis-lui d'arrêter. Impossible! Elle a coupé les lignes de communication de la tour. Vous devez aller sur Lyoko en quatrième vitesse. Bon, d'accord, on ne peut pas dire que ce soit super glamour, mais on fera avec. Compte sur moi, Elric. Bon, merci beaucoup, Sissi. Je te revaudrai ça. Il ne reste plus que 10 minutes avant le transfert. Ne t'en fais pas, Yumi, tout se passera bien. Ah, les filles, tu les laisses seules 5 minutes et c'est boulette sur boulette. Jérémy, fais chauffer les scanners, on va arriver. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Hé, hey, Yumi. Et où t'étais? Je t'ai cherché partout dans la cour ce matin. Hé hey, mais t'es qui, toi? Eh, mais c'est la fille du proviseur. Et c'est elle, c'est Elisabeth. Trop drôle, ça. Bon, d'accord. Alors, primo, mon nom, c'est Sissi. Et secondo, t'es gentil et tu la boucle, d'accord?
D'accord, Elisabeth. Oh! Vous devriez apercevoir la tour. Ouais, la voilà, je la vois. On y sera dans une minute. T'en fais pas, plus qu'une minute. Vite, vite, allez, dépêchez-vous. Aelita, arrête tout de suite. Si le transfert s'effectue, Xana pourra s'emparer de ta mémoire. T'entends? Allez, arrête ça tout de suite, maintenant. T'es vraiment têtue, c'était stupide de faire ça. Je suis désolée. Je sais pas, je croyais bien faire. Je sais, oui. Je t'en suis reconnaissante. T'es en train de devenir 100% humain, toi. Tu commences à confondre générosité avec stupidité. Ouais, mais en tout cas, tout ça ne nous dit pas comment sauver Yumi. Oh, détrompe-toi. Je viens justement d'avoir une petite idée de génie. Xana a volé les codes séquences de l'ADN de Yumi, on est d'accord. Donc, il l'a forcément en mémoire. Et quel est l'accès direct à la mémoire de Xana? Le cinquième territoire. On peut savoir pourquoi t'es déguisée en Yumi? Non, ça c'est pas tes oignons. En tout cas, sur toi, ce genre de coupe de cheveux, ça fait carrément ringard. Je ne suis jamais ringard, c'est compris? Et je peux porter ce que je veux sur moi, tout est classe. Silence, s'il vous plaît. T'entends? Ferme-la. Compris? Tue la boucle. Qu'est-ce que c'est que ça? Yumi, il y a un problème? Yumi, c'est à toi que je parle. Hé! Hey. Si. Ah, ce n'est rien. Je peux tout expliquer, Papounet chérie. Papounet chérie! Ça suffit! Silence! Oh, au fait, Yumi, privé des codes séquences de ton ADN humain, tu deviens aussi vulnérable qu'Aelita. Si tu es touchée, tu disparais à jamais. Génial. Oh, allez, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Vous avez 3 minutes pour atteindre le noyau. D'abord, il faut trouver la clé. Allez au bout du couloir. Je crois avoir repéré le mécanisme d'ouverture sur le mur du fond. Oui, je le vois. Il est là-bas. Ça sent le piège à plein nez, mais bon, quand il faut y aller, faut y aller. Toute la voûte est piégée. Foncez! Dépêchez-vous, il ne vous reste qu'une minute pour actionner la clé. Plus vite! Ça va, rien de cassé. Et voilà. Beau travail, Ulrich. Par ici la sortie. Notre taxi arrive. Faut surtout pas le rater. Allez. Aelita, tu sais où
trouver les codes séquences de l'ADN de Yumi? Pas vraiment. Mais je vais me débrouiller. On va avoir les mantas sur le dos, il faut se dépêcher. Yumi, je voulais te faire des excuses pour ce matin. Enfin, ce que tu faisais, tu sais, ça me regarde pas. Ça, c'est sûr. Mais si tu veux le savoir, j'étais en train d'essayer d'acheter 2 places pour les Subsonics. J'ai galéré avec ma connexion Internet. Oh non, regarde, les mantas sont de sortie. Non, toujours rien. Ça y est, j'y suis. Je télécharge le code, Jérémy. Ouais, ça y est, je l'ai. C'est bon, je te réimplante ça illico, Yumi. Ça va me faire plaisir de retrouver... Oh, Yumi. J'espère que oui. Ne traînez pas, dégagez. Prenez le tunnel nord. Il est ouvert. Yumi. T'en fais pas, Ulrich. Elle est évanouie, mais elle est avec nous. Et toi, Aude, ça va? Comment tu te sens? T'es déjà passé sous un rouleau compresseur? Non. Bah t'as qu'à te faire virtualiser dans le 5e territoire. Alors, ton père t'a coincé? J'imagine que je vais être envoyée. T'inquiète pas, je me suis arrangée. Je serai punie, mais pas toi. Vous savez, je sais parler à mon père. Tiens, c'est à toi. Ben, c'est vraiment super sympa de ta part, Sissi. Alors ça, c'est clair. Merci beaucoup. Je t'avais dit de compter sur moi. Allez, à plus. Hé, hey, Sissi, attends. Ça te dirait d'aller revoir les Subsonics avec Ulrich? Quoi, tu veux rire? Oh, ben ça, c'est super, merci. Moi, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose d'étrange dans le comportement de Sissi. Peut-être qu'au fond, notre petite peste est quelqu'un de bien. Ou peut-être qu'elle est dingue d'Ulrich. Oula, la cata!